Rapò Petrocaribe a montré yon vaste opération malversation qui impliquait plusieurs institutions de l'État, yon série de compagnies privées, locales et internationales, yon série de comptables avec ordonnateurs publics. Côte comme Petrocaribe. C'est simple, nous avons là, on va faire un audit, on va regarder ça que fait là, on va regarder quand il dit quoi qui dépensait. Et puis, vous est-ce que le BTP ne pas? Il est extrêmement important que vous fassiez suivi projet par projet, décaissement par décaissement, engagement par engagement. Une vérité que vous clarifiez ce qui passe. Après la commission éthique et anticorruption dans le Sénat République, nous avons sorti un rapport dans le mois octobre 2017 sur la gestion de l'argent Petrocaribe. En plus, le monde qui a gagné aussi dans le rapport, ça a pété coquin. Je t'ai demandé pour bailler la Cour des comptes fait travail là. Cour supérieure des comptes qui l'a pour bailler, on arrête. Même pas en quel côté dans la Constitution qui dit que. Parlement, ils font dossier et puis ils vont le bailler la justice. Est-ce que l'ordonnateur ça est bien géré? Est-ce que le mal géré? Mais il y a des institutions que la loi prévoit pour faire travail ça, qui est la Cour supérieure des comptes. Après toutes les vacances qui ont été dans le pays à partir du mois d'août 2018, finalement, la Cour des comptes a sorti un rapport sur la gestion des fonds Petrocaribe. Là encore, un pile acteur pété coquin. Donc tout le monde le procès. Je le procès tout. Mais procès de qui ça en fin de compte? Son bail politique qu'on a monté pour jeter Jovenel pour barrer 2022. Dans un point côté, même président pays, Jovenel Moïse, qui impliqué dans les actes malversation qui en dans le rapport ça, l'oublie si la Cour des comptes fait partie de l'institution de l'État metté pour contrôler les dépenses publiques. Aujourd'hui, il y a trois institutions qui sont très actives. UFEF, ULCC, Inspection Générale des Finances, IGF. Mais, qui est-ce qui a un rapport ça avec tout problème ça? Le rapport de la Cour des comptes est divisé en trois parties. La première partie a été sortie en mois de janvier 2019. La deuxième partie a sorti en mois de juin 2019. D'après la Cour des comptes, deux premières parties rapport représentaient audit trois cas projets qui fait avec dépenses de l'argent Petrocaribe. Le rapport Petrocaribe a montré une vaste opération malversation qui impliquait plusieurs institutions de l'État, une série de compagnies privées, locales et internationales, et une série de comptables avec ordonnateurs publics. La Cour des comptes analyse les projets d'investissement avec contrat qui exécuté avec l'argent Petrocaribe sorti septembre 2008 pour arriver septembre 2016. L'agence a dépensé sous trois présidents, sous six gouvernements à travers 14 résolutions qui votaient en conseil ministre pour débloquer l'argent dans le fonds Petrocaribe pour exécuter le projet ça. Dans le rapport ça, la Cour des comptes définit l'objectif, il détaille la méthodologie et puis il bail résultat audit. Le rapport la Cour des comptes fait sous gestion de l'argent Petrocaribe, bail liste institution avec projet li audité. Il bail liste non monde qui pourrait répondre question sous acte mauvaise gestion. Après ça, il y a une recommandations pour chaque institution et puis une série de recommandations générales. En gros, le rapport de la Cour des comptes a montré qu'il y a un pile projet qui n'est pas bien exécuté. Il y a un détournement de l'argent, si pas scout, l'argent qui est débloqué plusieurs fois pour un même projet, l'argent qui est débloqué avant résolution prend ou bien contrat qui s'y est. Il y a l'argent qui est dépensé sans pas de papier pour justifier. C'est le cas par exemple pour le projet Woodboy, petit bout de bois, la Cour des comptes n'a pas joint ni contrat, ni document qui bail l'ordre pour décaisser l'argent. Ni rapport sur dépense l'argent. Le projet ça impliqué compagnie agri-trans, nous connaissons Jovenel Moïse, utilisé pour le président pays. Il y a un travail qui campe sans pas d'explication qui baille. C'est cas par exemple construction aéroport au Kaila avec marché public Fontamara. Le projet budget a monté un seul coup. Ça arrive par exemple dans le cadre de construction d'un pont dans la commune Roseau dans le département de Grandens. L'État prévoit 5 millions de dollars pour konsa. Finalement, il y a 9 millions de dollars dépensés sans pas aucune explication qui baille. Même bagage à l'arrivée, dans le cadre de construction de pont, dans Marigo à Peredo, et dans le cadre de construction de pont sur la rivière Voldog dans le département de Gardens. Il y a une série de projets, façon contraire, il fait penser à ce qui est fait. Ça arrive par exemple dans le cadre de construction de route entre Miragua et la rivière Niplan. La Cour des comptes remarqué, le ministre des Travaux publics à l'époque, Jacques Gabriel, contournait la loi pour le bail compagnie vos bénéfices contrat quand même. Route ça, la compagnie était supposée bailler sous 12 mois. Il remettre après 3 ans. Contrat signé avec le ministère des Travaux publics 9 jours avant le projet approuvé dans le Conseil des ministres. Contrat a gagné 6 millions de dollars en plus quantité d'argent que le Conseil des ministres a prévu pour l'IA. C'est un contrat plus passé 27 millions de dollars qui passait sans payer aucun appel d'offres sur lui sous prétexte de l'urgence. C'est même coup de bâton pour le projet route qui sont à Foufresino dans Saint-Marc pour arriver à Bigo dans Gonaïve. L'État dépense plus de 78 millions de dollars sans pas un appel d'offres qui fait. Il y a un projet, l'État débloqué comme pour eux alors qu'il n'y a aucune résolution pour eux. Ça arrive par exemple dans le cadre du projet de drainage Port-au-Prince.
D'après rapport la Cour des comptes là, Kobsa a enrichi poche en série particulière pendant que dette là c'est sous dos peuple haïtien chita. Gen contrat qui fait sans pas gen aucune garantie la banque qui bail. Garantie la banque là si une quantité l'argent compagnie doit déposer sur un compte pour 6 ou 4 travail la mal fait l'état capable saisir. Pour programme aider peuple là, rapport a dit c'est un véritable gaspillage l'argent public. Après ça, li affirmé gen malversation dans programme ti maman chéri Corée étudiant bon solidarité à Corée monde handicapé. Dans programme ça yo, la Cour des comptes découvre gen plusieurs dizaines de milliers monde qui bénéficient l'argent alors que yo pas ka retracer yo. Même BM pas entré dans projet installation lampadaire solaire à création silo pour 13 millions de dollars. Pour installer lampadaire solaire ça yo dans 10 départements pays a, BM pas signé 20 contrats. Il y a seulement 6 contrats qui respectait toute procédure légale. Ça veut dire pendant c'est lui-même qui a géré l'argent Petrocaribe qui donc l'a recevoir l'argent et puis décaisser l'argent pour projet, c'est lui-même encore qui a exécuté projet. En gros, qui ça rapport la Cour des comptes sur gestion l'argent Petrocaribe a montré. Et mais rapport la Cour des comptes sur gestion l'argent Petrocaribe a montré, il y a l'état qui pas défini priorité et qui pas mettre intérêt collectivité avant toute bagaille. Li montre yon situation corruption qui implique secteur privé, agent public avec yon série étranger. Après ça, li montre même ministère planification pas arrivé défini besoin yo pour yon série projet. Moun ki placé pour protéger intérêt pays ya, c'est yo même qui agit contre pays ya. Yo violé toute procédure la loi mette pour gen transparence pour l'état pas perdre l'argent. Malgré toute irrégularité ça yo, pas gen aucun nan sanction la loi prévoit yo qui appliqué contre institution qui a exécuté projet ça yo. OK. Pour tourner à question principale là. Côte Cob Petrocaribe a, li clair nan rapport la Cour des comptes là, l'agence a li mal dépensé. Recommandation yo, la Cour des comptes mandé faut gen mezi ki prend pour joindre l'argent qui mal dépensé a. C'est comme ça Haïti a capable réduire quantité de dette li gen pour pays Venezuela.